C'est un entretien événement. L'un des chimistes les plus célèbres au monde livre au Paris Saclay-Summit les clés de son parcours, sa trajectoire personnelle l'ayant mené à une découverte majeure, celle des quasi-cristaux qui correspondent, selon ses propres termes, aux fascinantes mosaïques du monde arabe reproduites au niveau des atomes, une forme régulière qui ne se répète jamais. Dan Shertman nous éclaire sur les potentialités d'une telle découverte et plus largement sur sa vie de chercheur au Technion. Valérie Thoranian, directrice de la rédaction du Point, et Guillaume Grallet, rédacteur en chef tech et sciences du même Point, seront ses interlocuteurs. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Dan Shertman, bonjour. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici parmi nous à Saclay pour ce sommet. Est-ce que nous avions envie avec Guillaume Grallet, qui va conduire cette interview avec moi, de vous écouter sur les grandes leçons de vie d'un scientifique. Is it okay with the translation? No, not okay. We're gonna continue in English then. Okay, yeah. So I start it again. No, it's not the point. She is very soft. Le son est trop bas. You want to hear? Est-ce que quelqu'un peut? On va y arriver. It's gonna be. C'est le son de la traductrice qui est trop bas. Is it okay? I hear you. Yes. Ah, you don't hear in the. Is it better now? No. Is it better? Oh, okay. I will try. Okay. Okay. Let's do it. Maybe you can put your. Oh my God. Okay. So. So, thank you so much for being with us. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Guillaume et moi-même, nous souhaitions que vous partagiez des leçons de vie avec nous en tant que grand scientifique et prix Nobel. Si vous acceptez, il y a quelques minutes, nous parlions avec vous de chance dans la vie. Si vous êtes ici aujourd'hui avec nous, dès le début, c'est grâce à votre livre. Est-ce que vous pouvez nous partager l'histoire de cet ouvrage ? Tout à fait. Lorsque j'étais jeune, je lisais beaucoup. Et l'un des livres que j'ai lus a eu un impact sur ma vie. C'était un livre de Jules Verne. Je pense que dans ce pays, tout le monde le connaît. C'était l'île mystérieuse. Et le héros de ce livre est un Américain, un ingénieur. Je voulais être comme lui. Cet ingénieur savait tout faire, tout construire sur sa petite île où il s'était retrouvé avec quatre amis. Cette île était inhabitée et donc ils ont créé une vie moderne sur cette île. Et je voulais être comme cet ingénieur. Et c'est pourquoi après mon service militaire en Israël, je suis allée à Technion, l'Institut de technologie d'Israël. On y étudie seulement les sciences et les technologies. J'ai étudié les sciences et la mécanique. Après 4 ans d'études, j'ai eu mon diplôme, j'étais heureux comme tout, j'étais ingénieur mécanique, j'avais eu un diplôme de Technion, qui est une super université. Mais il y a eu une récession en Israël à ce moment-là, et donc je n'ai pas trouvé de travail. C'est un peu dommage. Tout le monde me disait, moi, c'est pas une bonne nouvelle, mais pas vraiment en fait, ça dépend ce que vous décidez de faire. J'étais déjà mariée à l'époque et j'ai décidé de faire un master et de gagner un peu d'argent en tant qu'assistant à l'université. Et après 2 ans de master, je pensais que j'allais trouver un boulot et c'était le cas. Mais en fait, au cours de ces 2 années, je suis tombée amoureuse de la science et je me suis dit, peut-être que je ferai un bon scientifique. Et j'ai décidé de continuer et de faire un doctorat. Et voilà, ça, c'était mon destin en fait. J'ai terminé mon doctorat, j'ai voulu continuer et voilà, vous allez reprendre à partir de ce moment-là, je pense. Et au départ, lorsque vous avez fait cette découverte qui vous a valu le prix Nobel, bon nombre de personnes
vous ont critiqué en disant que vous n'aviez rien découvert d'intéressant. Eh bien, comment dire, les premières personnes qui se sont joints à moi étaient français. La France est devenue l'un des premiers pays dans la recherche sur les matériaux quasi-périodiques. Et c'est grâce à M. Gratien, mon collègue, et sa femme, Denis Gratias. Il était co-auteur de ma deuxième publication sur les matériaux quasi-périodiques. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un cristallographe mathématicien ici à Paris. À l'époque, il était à Évry. Et c'est lui qui a fait connaître cette science aux Français. Il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous et d'autres nous ont critiqués. Et leur principale critique, en fait, c'était de la part de M. Pauling, qui a gagné deux fois le prix Nobel. Il était à Stanford, il a le prix Nobel de chimie et de la paix, parce qu'il était contre la prolifération des armes nucléaires. Et c'était un excellent orateur, comme un politique. Il était sur scène et il disait « Il n'y a pas de quasi-cristaux, il n'y a que des quasi-scientifiques. » Et franchement, je n'ai pas accepté. Mais il avait tort. Je n'ai pas apprécié, mais il avait tort. Pendant de nombreuses années. Au début, c'était une star et moi, personne ne me connaissait. Mais avec le temps, il a changé. Et il ne pouvait plus publier de publications, alors que nous avons gagné en popularité grâce à notre publication. Et les gens qui l'écoutaient n'étudiaient pas cette science. Ils disaient juste, il a sûrement raison, c'est ce qu'il se disait, mais il avait tort. Donc c'était sa principale critique. Mais il est rapidement décédé, et les personnes qui ont commencé à se pencher sur les matériaux quasi-périodiques, il y avait de plus en plus de personnes. Et ici en France, le système CNRS a sponsorisé 21 laboratoires pour se pencher sur ce thème. Incroyable. Dan, est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été la décision la plus importante que vous avez prise au cours de votre carrière ? Trouver la bonne femme, évidemment, la bonne épouse. Je suis très fière de ma famille. Nous avons 12 petits-enfants, 4 enfants et une seule femme. Nous avons poussé nos enfants dans leur éducation. Ma femme est professeure à l'université. Et aujourd'hui, elle donne un discours à Washington, D.C., au cours d'une grande conférence. Mes 3 filles sont psychologues, comme ma femme, et mon fils est professeur à Technion. Il est physicien. Donc voilà, il y a une division claire dans notre famille. Toute votre vie, vous avez estimé que la science était importante et que tout le monde devrait apprendre la science. Vous étiez également professeur en maternelle. Voilà mon point de vue. Pour tous les pays, le plus important, c'est l'éducation. Et tout le monde n'en a pas conscience, mais l'avenir de chaque pays est dans les mains de ses professeurs. Et c'est pourquoi les enseignants sont si importants. Et c'est pourquoi seuls les meilleurs devraient enseigner. Et ce n'est pas le cas dans la plupart des pays, malheureusement. Chaque pays a besoin davantage d'ingénieurs et de scientifiques. Plus il y en a, mieux c'est. Et moi, je me demande, comment est-ce que je peux convaincre les jeunes de devenir scientifiques et ingénieurs ? Et la réponse a été, commençons à enseigner la science tôt. J'ai parlé à la radio en 1912. En 2012, se corrige l'orateur, à la radio israélienne, ils m'ont interviewé et j'ai dit, nous devrions enseigner la science dès le plus jeune âge. Le maire de Haïfa, ma ville, m'a appelé depuis sa voiture et il m'a entendu la radio et il a dit, Dan, tu as dit le plus tôt possible. À quel âge ? Et j'ai dit, à la maternelle.
enseignons les sciences dès la maternelle. On ne devrait pas parler avoir des oiseaux qui parlent et des lapins qui parlent, non. Alors enseignons-leur la science, vraiment. Et il me dit, et pourquoi on ne le ferait pas à Haïfa ? J'ai dit, tu vas nous payer pour le faire ? Et il m'a dit oui. Et donc on l'a fait, on a lancé un programme dans 60 maternelles, bien divisé. Il y a différentes populations à Haïfa, donc il y avait 20 maternelles laïques, 20 judaïques et 20 arabes. Et dans notre ville, ils ont construit quelque chose qui est exemplaire à travers le monde. Et c'est une maternelle dédiée à la science. C'est un très beau bâtiment avec un beau jardin qui accueille 90 enfants du voisinage, donc des enfants de 5-6 ans qui n'ont rien de particulier, et donc trois groupes de 30 enfants. Et il y a un laboratoire dans cette maternelle. Lorsque vous entrez dans ce laboratoire, vous penseriez être dans une université. C'est un très beau laboratoire. Mais il y a 10 enfants qui sont assis autour d'une table ronde qui portent une blouse et qui sont très sérieux. Et la professeure a un master de chimie. Elle pourrait enseigner au lycée, mais elle préfère enseigner à des enfants. C'est très sérieux. J'en ai parlé partout à travers le monde, dans de très nombreux pays. J'ai invité les gens à se rendre à Haïfa. Je vous accueillerai, je vous montrerai ce laboratoire et je vous encourage à le copier dans vos pays. J'ai invité la France également. Les gens viennent, ils prennent beaucoup de photos. Parfois, ils répliquent ça dans leur pays. Trois professeurs sont venus, un homme et deux femmes. Ils ont pris beaucoup de photos. Et deux ans après leur visite, ils m'ont envoyé un email et ils ont dit qu'ils allaient ouvrir 16 maternelles similaires dans leur pays. C'est incroyable. Cela ne prépare pas seulement les futurs scientifiques, mais cela enseigne à nos enfants à penser de façon rationnelle, de façon logique, pour que personne ne puisse les influencer alors qu'ils grandissent. L'éducation, de la meilleure façon qu'il soit, doit permettre à nos enfants d'être prêts pour le monde moderne. Est-ce que ces maternelles scientifiques existent toujours aujourd'hui ? Oui, elles existent toujours. Nous n'avons plus que 30 maternelles, mais tout fonctionne encore à merveille. C'est un excellent exemple. Il y avait de la chimie et aussi des maths. Ils n'enseignent pas les mathématiques, ils enseignent la science en général. Ils mènent des expériences pour que les enfants comprennent le monde qui les entoure. Mais je souhaite ajouter quelque chose là-dessus. J'avais deux autres problèmes. Il y avait un programme télévision qui m'intéressait beaucoup. Et j'étais présentateur d'un programme qui s'appelait « Devenir scientifique avec professeur Dan ». C'était une grande réussite. Ils ont créé tout un plateau télé pour moi, avec un laboratoire. Il y avait quelques enfants qui avaient 7 ou 8 ans. Et nous avons parlé de sciences réelles. Nous avons mené des expériences. Et il n'y avait jamais deux fois la même leçon. Par exemple, on a eu un cours sur la lumière naturelle, la lumière artificielle, la réaction de la lumière, etc. Chaque programme durait une demi-heure. C'était déjà il y a quelques années, mais ça a très bien réussi. Si vous allez en ligne et que vous cliquez « Être un scientifique avec professeur Dan », vous retrouverez ces sessions. Bon, le seul problème, c'est que c'est en hébreu. Vous savez, en France, comme en Israël, Technion va célébrer son 100e anniversaire dans quelques jours. Et dans cette université où vous êtes professeur, vous avez lancé un programme d'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce important de partager l'amour de l'entrepreneuriat
tout comme l'amour des sciences. Très bonne question. Lorsque j'étais étudiant à Technion et que j'étudiais l'ingénierie mécanique, comme je vous le disais tout à l'heure, l'esprit de Technion, c'est que l'idée, c'était tu vas devenir si bon que tout le monde va vouloir t'embaucher quand tu sortiras de notre université. Et donc, je me suis tournée vers mes professeurs et je leur ai dit « Pourquoi vous ne m'enseignez pas comment créer ma propre entreprise de technologie ?» Et ils m'ont dit « Non, nous enseignons des principes. » Et ensuite, en 1986, je suis devenue professeur et j'ai dit « Maintenant, je peux faire ce que je veux, plus ou moins. » Et j'ai ouvert un cours intitulé « Entrepreneuriat technologique ». J'étais le premier étudiant du cours et je savais bien que je ne pouvais pas donner ce cours moi-même, mais je savais qui pouvait le faire. Et j'aimerais bien répliquer ce concept ailleurs, mais le premier groupe de personnes que j'ai... J'avais 600 étudiants dans mon cours, moi et 600 autres étudiants. Pourquoi 600 ? Parce que c'est la capacité du plus grand amphithéâtre de Technion. Chaque semaine... pendant 30 ans. Et maintenant, ça continue. Mais quelqu'un d'autre le fait maintenant. Et pour la petite histoire, il y a 3-4 ans, nous avons mené un sondage pour savoir ce qu'étaient devenus les diplômés. Nous avons découvert que 25% d'entre eux étaient impliqués dans des start-up. C'est fantastique! C'est une super idée. Donc les personnes que j'ai invitées à enseigner viennent de trois groupes. Des gens qui ont commencé de zéro, mais qui sont maintenant des milliardaires, qui ont d'énormes entreprises multinationales. Et ils racontaient comment ils ont géré les problèmes, comment ils ont obtenu des fonds, comment ils ont vendu leurs premiers produits. Des histoires incroyables. Le deuxième groupe de personnes, ce sont des entrepreneurs qui ont lancé leurs entreprises il y a 2, 3, 5 ans et qui luttent encore pour que leur entreprise réussisse. Et donc, ils parlaient leurs problèmes aux étudiants. Certains manquent de fonds, d'autres ne trouvent pas de bons employés, d'autres ont des problèmes de management. Et voilà, ils nous racontent comment ils gèrent ces problèmes. Le troisième groupe, ce sont des professionnels. Donc j'ai demandé à un avocat de donner cours. Et il explique aux étudiants pourquoi ils devraient créer une entreprise avec un certain statut et pas un autre. J'ai demandé à un directeur de l'Institut des brevets national de nous parler de la propriété intellectuelle. Avant de vous lancer, vous devriez connaître votre marché, connaître vos concurrents, quels sont les prix, les gammes de produits. Vous devriez être expert. Et les questions sont très simples. À quel argent vous ne devriez pas toucher et quel argent vous devriez essayer d'obtenir. Lorsque vous vendez, est-ce que vous vendez lorsque vos produits sont parfaits ? Oui, si vous êtes Microsoft ou Samsung, vous attendez d'atteindre la perfection pour vendre votre produit. Mais vous n'êtes pas comme ça. Vous avez besoin de fonds tout de suite. Donc vous vendez et ensuite vous ajustez vos produits. C'était vraiment des conseils très, très pragmatiques dans ces cours. D'autres universités en Israël ont essayé de le faire et ils n'ont pas réussi. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui avais les meilleurs profs. Et ils disaient à toutes les autres universités, non, nous, on travaille pour Dan. Parfois, lorsque vous lancez une start-up, ce n'est pas une réussite comme vous le dites ou ça va prendre un certain temps. Parfois, on échoue au lancement d'une start-up. C'est pareil avec la recherche fondamentale, ça prend du temps. Comment gérer ces échecs lorsque ça prend du temps, lorsqu'on n'y arrive pas du premier coup ? Eh bien, venez à mes cours. Personnellement, si vous me demandez si j'ai eu des échecs dans ma vie, je n'en trouverai pas, pas un seul. En fait, je ne considère pas que ce sont des échecs. Si j'ai un contretemps, j'arrange les choses.
Il faut trouver des moyens de résoudre la situation. Il y a des pays à travers le monde qui ont peur de l'échec, en particulier en Occident. C'est une honte pour nos pays d'échouer. Pensez au Japon. Au Japon, si on échoue, c'est vraiment un déshonneur pour vous, pour votre famille. Donc les gens n'osent pas prendre des risques parce qu'ils risquent d'échouer. Et c'est le cas souvent. Moi, mon slogan, c'est OK d'échouer. Il faut recommencer. Et en Orient, lorsque je donne ces discours, où je leur dis, c'est acceptable de rater. Il faut recommencer et persévérer. Nous, on n'a pas ce problème dans mon pays. Dans mon pays, les gens osent. Ils prennent des risques. Sans hésiter. Quel conseil pourriez-vous donner à des jeunes étudiants qui veulent apprendre les sciences? Quel conseil pourriez-vous leur donner? Pour des étudiants en sciences, je vais vous donner une réponse légèrement décalée de votre question. Nous avons des jeunes dans la salle, non? Ce que vous devriez faire pour être un excellent scientifique et pour avoir le prix Nobel, tout d'abord, quel que soit le domaine dans lequel vous évoluez, vous devriez connaître toutes les sciences. Vous devez connaître les mathématiques, la physique, la chimie, l'aérodynamique, suffisamment pour pouvoir comprendre le monde des sciences. Mais en plus de cela, vous devez être expert dans un domaine. Choisissez un domaine que vous aimez aujourd'hui, mais essayez d'être le meilleur dans un domaine. Et je vous promets, si vous connaissez les sciences en général et que vous êtes expert dans un sujet et que vous avez de la chance, vous allez réussir. La chance et le hasard jouent vraiment un rôle majeur dans nos vies. Je pense que vous en êtes conscient. Ce matin, nous avons eu l'occasion de parler à un autre prix Nobel, Pierre Agostini. Et lorsque nous avons regardé votre découverte également, parfois, il n'y a pas d'application industrielle à ces découvertes. Est-ce que vous pensez que c'est important que les découvertes aient une application industrielle ou est-ce que ça peut prendre 50 ans parfois? Alain Spee a dit, l'inventeur de l'ordinateur n'est pas Steve Jobs ou Bill Gates, mais tous les scientifiques et les physiciens qui ont aidé à créer le transistor, par exemple. Parfois, ça prend du temps de trouver des applications et est-ce que... c'est normal. Les scientifiques souhaitent comprendre comment la nature fonctionne. C'est ce qu'on fait. On essaye de découvrir et mieux comprendre comment la nature fonctionne. Habituellement, on ne réfléchit pas aux applications. Dans les entreprises, ils y pensent. Et de nombreuses découvertes, telles que celles des quasi-cristaux n'ont pas d'application, mais un autre prix Nobel, au même moment que moi, c'était en chimie, et eux, il y a trois jeunes qui l'ont reçu en physique. Et ce qu'ils ont découvert, on savait que l'univers était en expansion, mais eux, ils ont découvert que l'univers était en expansion de manière accélérée. Et ça a surpris tout le monde, moi inclus. Est-ce qu'il y a une application à cela? Non. Mais c'est bon à savoir. Et parfois, on découvre des choses comme Einstein, un des génies de notre monde, et il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Les prix Nobel ne sont pas des génies. Ce sont juste de bons scientifiques qui sont experts dans un domaine et qui ont eu de la chance, moi inclus. Mais quand Einstein publie et ses découvertes n'avaient pas d'application, mais aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre sans prendre en compte
la relativité et sans comprendre que la lumière, la vitesse de la lumière est la plus importante et sans comprendre toute la physique dont il parlait et qui s'applique maintenant à chaque téléphone portable qu'on a dans notre poche. J'espère qu'ils sont éteints d'ailleurs. Merci. Je pense qu'un des plus grands défis du monde actuel, c'est la nutrition. Comment nourrir la planète, nourrir les gens? Pensez-vous que la science et la politique ont ce défi majeur à résoudre, à savoir nourrir la planète? Oui, absolument. Mais je vais vous dire quelques mots sur ce point. Et je ne vais pas parler politique, je veux rester en vie. Nous sommes très fiers en tant que civilisation moderne de ne plus être des chasseurs-cueilleurs. Les chasseurs-cueilleurs, c'était il y a plusieurs milliers d'années. Nous, on est modernes. On a développé l'agriculture, certes. Mais en mer, on reste des chasseurs-cueilleurs. On attrape du poisson, c'est ce qu'on fait. Et il est temps de développer l'aquaculture. La mer couvre la plupart de la surface de la Terre et on peut développer l'aquaculture. Et c'est en cours de développement déjà, par exemple en élevant des poissons dans des cages. C'est ça l'aquaculture. Ou en faisant pousser des algues. Pour les sushis, un business qui représente $1 milliard. Et donc, à l'heure actuelle, en mer, on est tous des chasseurs-cueilleurs et on ne devrait pas en être très fiers. Et on doit développer l'aquaculture et des solutions pour nourrir la planète. Une d'entre elles, c'est celle-ci, la première. Je vais vous donner la deuxième. La deuxième solution, c'est la désalinisation de l'eau. Nous avons des technologies disponibles pour créer de l'électricité à partir du soleil, la lumière du soleil. Alors, imaginez, par exemple, le Maroc, qui a une côte très longue, et ils ont également beaucoup d'ensoleillement avec le désert. Et ils peuvent produire beaucoup d'électricité. Qu'est-ce qu'ils font de l'électricité? Eh bien, ils pourraient désaliniser l'eau. Et avec cette eau, également faire de l'irrigation des champs et créer une agriculture nouvelle dans une région très importante qui est le désert. Ça ne devrait pas être un désert. Nous avons la technologie, il n'y a rien à inventer. À l'heure actuelle, on a la technologie. Et ça, c'est de la politique, parce que les politiques doivent prendre des décisions et dédier des fonds pour créer de l'électricité, faire de la désalinisation, arroser, et voilà, on se retrouve avec un jardin florissant, faire pousser des tomates, des concombres, et des pommes de terre, et nourrir la planète. C'est déjà disponible. Il n'y a qu'une décision à prendre, à savoir investir des fonds là-dedans. Je pense qu'on va maintenant lancer la session questions-réponses dans la salle. Et je suis sûr qu'il va y avoir des questions, n'hésitez pas. Profitez de la présence de Dan, qui se lance. Monsieur, on va vous donner un micro. Thanks, Professor Schechtman. Effectively, you were speaking about. Merci, professeur. En effet, vous avez parlé de vos collègues en physique qui ont gagné le prix Nobel, Perlmutter, Ries, etc., qui ont découvert quelque chose qui n'est pas intéressant pour la plupart des gens, mais qui est très important. À savoir comprendre l'expansion de l'univers. Ça, c'est vraiment très important. Et je pense qu'on peut le relier au travail de Alain Aspect, qui a fait des expérimentations sur la cohérence quantique entre le lien entre les photons.
puisque Alain Aspect a découvert ce lien avec, entre les photons, ce qui peut être lié à une inflation majeure. Cette inflation est au début, à la création de l'univers. Et la densité de l'univers était telle parce que c'était dans une dimension telle que des photons liés devaient exister à l'époque. Ce qui signifie que ce que Alain Aspect a découvert en 1982, pour être précis, à Orsay, pas très loin, doit exister à cause de cette inflation majeure et les débuts de l'univers. Et donc c'est d'un grand intérêt que d'aller plus loin dans ce domaine. Et cela peut également impacter le calcul quantique. Mais ça, c'est l'avenir. Et les jeunes doivent travailler sur ce sujet. Donc je suis d'accord avec vous. Nous devons travailler pour comprendre ce qu'est la nature et ne pas travailler en tant que scientifique pour nous assurer que ce sur quoi on travaille sera l'objet d'application. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que c'est une question ou juste un commentaire? C'était un commentaire. Ce n'était pas une question. Les scientifiques connaissent très bien le travail de Dan Sechman, Denis Gracia et les autres chercheurs américains qui ont fait cette découverte. En France, comme vous le savez, il y a eu 21 laboratoires qui travaillaient sur ce sujet. Au CNRS, tout à fait. La France était un leader. Et l'Angleterre, c'était votre ennemi. Eux, pas trop. Ils n'étaient pas intéressés par ça. Mais la France a été remarquable. Et à l'époque, le directeur du CNRS, c'était Toulouse. Tout à fait. Rémi Mosry, peut-être également. Monsieur, on va vous donner un micro. C'est une question ou une remarque, monsieur ? Question. Please. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, du lien entre la chimie et la biologie, la connexion entre les deux? Oui, je vais vous dire quelques mots. La biologie, c'est la chimie. Si vous voulez que j'en parle, je vais le faire. Tout d'abord, la division entre les différentes sciences est une tradition ancienne. Mais la science ne fait qu'un. Les mathématiques, la physique et la biologie est une science relativement émergente par rapport à la physique ou à la chimie. Mais ça englobe tout. Et donc, tous les phénomènes de la physiologie sont liés aux lois de la physique et aux lois de la chimie. Et il faut également comprendre les mathématiques pour comprendre ces phénomènes. Et notre génération, maintenant, c'est déjà le cas. Je vais vous raconter une histoire, si je peux le permettre. Au XIVe siècle, il y avait... La peste noire, de nombreuses personnes sont mortes, il n'y avait pas de traitement, pas de science, pas de médecine, rien du tout. Et une partie de l'Europe a survécu. Et si on arrive en 1928, Alexander Fleming a découvert la pénicilline. Il a essayé de fabriquer des quantités importantes de pénicilline et n'a pas réussi. Et en Angleterre, l'Empire a essayé de fabriquer de grandes quantités de pénicilline, ils n'ont pas réussi. Les États-Unis ont essayé et ils ont réussi. La première fois que la pénicilline était disponible au public, c'était en 1945, 17 ans après la découverte de la pénicilline, un écart de 17 ans. Ensuite, coronavirus, en l'espace d'un an, c'était tout récent, il y a quelques années, en l'espace d'un an, Moderna et BioNTech
ont sorti des vaccins qui sont une invention fantastique, qui se base sur l'ARN messager. Je ne rentrerai pas dans les détails de comment ça fonctionne, on n'a pas le temps, mais j'aimerais beaucoup en parler. Et c'est une invention remarquable à partir de générations de prix Nobel qui ont étudié l'ARN et ont compris comment s'en servir. C'est de la science de base, l'ARN, transformé en un vaccin qui sauve la vie de millions de personnes. Et ça s'est fait en l'espace d'un an. C'est ce qui se fait maintenant. La science a fait des avancées remarquables dans notre époque et il faut l'apprécier. Oui, dernière question avec vous, monsieur. Pensez-vous que la crise climatique peut être résolue avec la technologie ou s'agit-il d'un sujet plus politique pour une solution? Pensez-vous que le réchauffement climatique, est-ce que c'est une question scientifique ou politique, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est les deux, bien sûr. Tout d'abord, il faut comprendre les raisons du réchauffement climatique. En tant que scientifiques, nous pensons comprendre les raisons. Il y a des gens qui disent non, c'est des variations avec le soleil, etc. Mais tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut agir. Parce que soit nous sommes la cause ou on contribue, peu importe, on doit résoudre et changer ce que l'on fait. Et ensuite, pour changer cela, eh bien, ça devient un sujet politique. Pourquoi ? Parce que ça nécessite beaucoup d'argent, mais pas seulement. Cela est également lié au fait de rendre nos industries plus propres. Et certaines industries ne peuvent pas porter la charge financière, donc il y aura des licenciements. Donc c'est une question politique, une question sociale, à savoir qu'il faut qu'on change notre manière de faire. Et on ne doit pas produire de l'électricité avec du charbon. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. On ne devrait pas faire de l'électricité avec du pétrole ou du gaz. On doit utiliser le soleil pour cela, le vent, les vagues. On a besoin d'électricité verte. Et chaque pays devrait contribuer à cela, notamment les gros pays tels que les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre. Les grands pays devraient être des leaders. Et dans certains pays, il y a de grands progrès. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se fait en France, mais je sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'efforts pour l'électricité verte. Et d'ailleurs, je vous complimente de ne pas avoir détruit les réacteurs nucléaires qui créent de l'électricité de manière très approprié. Je pense que l'Allemagne n'avait pas été très intelligente en mettant fin aux réacteurs nucléaires. C'est la bonne manière de le faire, c'est sûr. Il y a eu deux accidents dans le monde par rapport à des réacteurs nucléaires. Le premier, l'un d'entre eux était lié à une construction de mauvaise qualité, Tchernobyl, et l'autre, c'était également une ingénierie de mauvaise qualité à Fukushima. Et ce qui s'est passé à Fukushima est tout à fait stupide. Ils ont mis leur générateur au sous-sol plutôt que de le faire sur le toit. Et donc, le liquide de refroidissement n'a pas pu arriver jusque-là lorsqu'il y a eu le tsunami ou le tremblement de terre. Donc, ce sont des problèmes d'ingénierie, on sait les résoudre, ils sont maintenant résolus, et donc félicitations à la France de poursuivre cette production électrique avec le nucléaire. Je le défends tout à fait ça. On peut l'applaudir à nouveau. C'était un plaisir de vous avoir. Et cette première journée du Paris-Saclay Summit s'achève. Merci d'en avoir fait un succès pour continuer à creuser le sillon de la science et l'innovation. Je vous propose qu'on se retrouve demain, dès 10h. On va parler bactéries, catalyse, météo de l'espace, quantique, implants, industrie, olfaction, données de santé. J'ai besoin de reprendre mon souffle tellement ce sera super. Alors à demain, sans faute.